Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero gameplay sur Fumikage, même s'il n'est pas maxé, même s'il n'est pas SSS+, ou je sais pas quoi, on va quand même le tester parce que le perso est incroyable. Du coup, on part directement tester cette petite unité qui est incroyablement magnifique, son gameplay qui est magnifique. Et tout ça dans des graphismes incroyables également. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Rejoignez-moi sur les réseaux Discord et Twitter qui sont dans la barre de description. Et on part directement tester ça. 3, 2, 1, et c'est parti les amis. L'unité vraiment, elle est vraiment très très forte. Je ne mens pas, je la surkiffe. Regen, critique, dégâts de zone, dégâts sur une très très large zone, transformation en mode assaut, incroyable. Et en même temps que je vous laisse le gameplay, tout simplement, je vais commenter le personnage. C'est incroyable, je prends du plaisir, réellement. Je prends du plaisir à chaque fois que je vois ce gameplay. Petit cocon, il met sa zone. Tranquille, il se grappe à l'ennemi et il fonce direct. Son combo basique qui est vraiment incroyable. Juste insane. Insane. Du coup, l'unité niveau 50, avec une arme de compétences maxée, enfin, dans l'arbre de talent, il y a une branche qui est tout simplement maxée. On va s'attaquer avec eux avant d'aller sur le boss. On va faire Mineta parce que je sens qu'il va souffrir un peu. Et du coup, les gars, le perso, il est juste insane. Je vais vous montrer également en coop, en PvE coop. Vous allez voir à quel point le perso est juste incroyable. Son gameplay, il est magnifique. Là, en vrai, on n'a pas pu tester entièrement ce que le perso donne parce que on a terminé rapidement le niveau et du coup là on attend juste le boss et je vais vous montrer un peu les réels dégâts de ce personnage qui est juste incroyable. Du coup on fait ce petit fight avec Mineta après avec Deku. C'est vrai qu'il aura du mal parce qu'il a moins de 5K alors qu'il faut plus de 6K3 pour faire ce niveau. Va être tendu et en plus c'est pas trop mon main. Je joue très rarement avec ce personnage. Voire pas du tout. Vrai, quand je suis en off, très rarement. Enfin je le mets en. Je le mets tout simplement en mode auto. Je cherche pas trop à comprendre le perso. Heureusement qu'il y a cette machine qui les brise-garde. Du coup, c'est simple. Ok, nice. En vrai, c'est faisable. C'était tranquille. J'ai perdu un petit peu plus de points que prévu, mais alors, dans l'ensemble, c'est assez correct. Les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Je le répète, très jamais assez parce que pour le nombre de vues que je fais à l'heure actuelle, avec l'arrivée de ce jeu, avec tous les youtubeurs qui font, je sais que vous êtes plusieurs à tomber sur ma chaîne. Et donnez-moi de la force en vous abonnant, ça me ferait énormément plaisir, les amis. Du coup, on passe sur le petit gameplay des coups avant de passer au meilleur gameplay de la vidéo. Ah, est-ce que vous aimez la musique de fond? Vous savez que cette musique là, cette host là, vous savez où je l'ai trouvée? J'ai trouvé dans le jeu. J'ai trouvé dans le jeu et je me suis dit, vas-y, je vais enregistrer ça sur 2 minutes et je vais en faire comme musique de fond. Pas laisser de blanc derrière.
Parce que réellement, toutes les voix du jeu et toutes les musiques basiques m'ont un peu saoulé. Et du coup, j'ai préféré tout simplement faire ça. Et voilà, on va terminer avec la petite compétence. On va faire ça. Je pense pas que je les ai tous dans le colis là. Ok. Ah, ok, lui il reste 2 barres et demie. Ok, on fait ça tranquille. TP tranquille. Et on fait ça, on continue. La petite esquive qui passe. On essaie de réduire tout simplement ça garde pour faire un maximum de dégâts. On termine sur ça. Ah, j'ai raté la compétence. Bon, c'est pas grave. On améliore les dégâts de 23,8%. Et on enchaîne. Tranquille. Et allez, ça c'est fait. On termine avec l'unique Fumikage. Fumikage. Qui est à l'heure actuelle à plus de 7500 de puissance, les amis. Du coup, on prend Fumikage. Et on y go les amis, on y go. Comme vous l'avez vu, en réalité, il n'y a qu'un seul combo à faire, mais vous pouvez en créer de vastes pour juste les sortir un peu de la tête. Du coup, on se tape contre All Might, c'est le bon moment en plus. Du coup, j'ai trouvé tout simplement le titre de la vidéo. Ça va être tendu un peu, ça va être tendu là. On utilise ça. Et d'ailleurs, j'ai réussi à drop une carte, la carte spéciale 6 étoiles de Shoto, mais je peux pas l'équiper sur ce perso vu que c'est pas Shoto, vu que c'est l'attaque soutenue. Mais j'ai drop une autre carte 5 étoiles, celle de Spectrum. Électroplasme, si je dis pas de bêtises, électroplasme, ouais. Et là, réellement, mes stats ont bien monté grâce à cette carte-là. Et une autre carte, 4 étoiles. Du coup, je suis super bien. Et voilà, le petit mode d'assaut, juste incroyable. Monter dans les airs. Voilà, incroyable ce gameplay. Incroyable, réellement, je kiffe. Hein. Et en plus, avec la régène, comme je vous l'ai dit. Et dans ses talents, et je récupère quasiment tout. Enfin, là j'ai récupéré parce que tout simplement, il y a eu un petit cadeau au sol qui m'a permis de me régénérer. Move speed, régène, attaque 100%, shadow. Oh là là, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Là, je suis pas en mode auto. Hein, depuis que j'ai rejoué Mineta, je ne me suis pas mis en mode auto. Le perso, il est vraiment incroyable, les amis. Hein. Il est juste. Oh, je surkiffe. Dis-donc que j'ai même pas de doublon. Hein. J'aurais fait un délire à la City, les gars. Vous imaginez même pas les dégâts. J'aurais déjà niveau 70 le perso. Et du coup, voilà, c'est pour cette fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi ce que vous pensez de ce perso en PvE. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Prenez bien soin de vous, tout le monde.